Le comptage des voix a commencé au Royaume-Uni au lendemain du super jeudi, le scrutin local le plus important en près de 50 ans. Des élections en forme de test national pour le pouvoir et l'unité du Royaume-Uni. 48 millions d'électeurs étaient appelés à renouveler 5000 sièges dans 143 assemblées locales en Angleterre, les parlements gallois et écossais, ainsi que 13 maires, notamment celui de Londres. Le scrutin était crucial pour l'avenir de l'Écosse où le parlement régional est renouvelé. Les indépendantistes espèrent une large victoire pour ouvrir la voie à un nouveau référendum d'autodétermination. Les résultats y sont attendus samedi. En Angleterre, on parle déjà d'une victoire historique à Hartlepool. Selon les premiers résultats, le Parti conservateur a réussi à faire élire une députée dans ce bastion travailliste au nord-est du pays. Boris Johnson vit dans ce scrutin un premier test électoral depuis sa victoire écrasante aux législatives de 2019 et l'entrée en vigueur du Brexit.